Depuis combien de temps vous êtes aveugle et emprisonné ici? Depuis des siècles. Vous savez où vous allez? Je connais le coin par cœur. Wow! Vous êtes cinglé? J'oubliais. Nous voyons les choses différemment. Des perspectives différentes ouvrent de nouvelles voies. Quoi? Comment ça? Vous ne voyez que le mal en moi, car je suis un démon. Mais ouvrez votre esprit. Au fond, c'est une question de perspective. Je vous l'ai dit, je vois les choses différemment. Nous nous retrouverons plus loin. J'ai quelque chose à vous montrer. Combattir, c'est être faible. La douleur. Elle s'appelait Asiel. Une Néphilim. Tout comme vous. Je savais pas qu'il y en avait eu d'autres. Les Néphilim étaient la troisième race. Malheureusement, ils ont été exterminés. Pourquoi? Ils maniaient le pouvoir des anges et des démons. Mais les Néphilim pouvaient aussi passer librement d'un monde à l'autre. Ils étaient sans égal. Donc ils étaient une menace. Comme moi. Et comme vous. Ils avaient un immense potentiel. Quel gâchis. Vous voulez réaliser tout votre potentiel? Asiel détient peut-être la clé. Asiel? Non, c'est un putain de démon. Ok, Asiel détient la clé. Thank you.
Je l'ai. Wally, je t'avais rien demandé. Bon, voyons ce qui se passe. Dante, tu es ici parce que je n'ai pas pu te protéger. Crois-moi, j'en suis vraiment désolée. Ton père est tombé amoureux de moi. C'était un amour qui transgressait des lois inflexibles et antiques. Nous avons choisi cette vie malgré l'annihilation certaine. Même si nous ne l'avons jamais regretté, nous ne t'avons jamais laissé le choix, mon cher fils. Mais, à présent, c'est à ton tour de choisir. Ta puissance sera exceptionnelle. Et cette puissance te permettra de forger ton propre destin. C'est ça, la liberté, mon fils. Sois fort, mon fils. Je t'aime tant. Tu as beaucoup de souvenirs de ton enfance. Dante. Ah oui, la tour. Je suis parti. Ah !
Incroyable. Par ici. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez révélé votre démon intérieur. Mais il vous reste à découvrir tout votre potentiel. Je veux juste tuer un roi démon appelé Mundus. Et si vous tuez Mundus, qui prendra sa place ?